je ne travaille pas. Je lui propose de prendre ma douche avec lui et en lui donnant le prétexte de lui frotter le dos. Et du coup, il adore ça. Et du coup, maintenant, il me demande tout le temps. Le problème, c'est que quand je travaille, je... Oui, t'as pas le temps. Voilà. Maintenant, quand il prend sa douche, bah, il m'attend et il dit « tu viens ». Et maintenant, il attend que ça, quoi. Et quand je travaille, du coup, bah, je lui prépare ses affaires dans la chambre. Oui, mais le problème, c'est que bah, il met tout à l'envers, certainement. Parce que le soir, je ne trouve pas habillée de la même manière dont j'ai préparé ses affaires. Il ne sait plus entre le haut et le bas. Et quand je lui dis « change ton bas », il enlève le haut. Il met tout le temps à l'envers, il ne sait jamais. Donc au bout de 3 fois, je suis obligée d'intervenir. Parce que déjà, ça me fait mal. Et lui, il s'en rend compte aussi. Il s'en rend compte. Et du coup, il est là en attente. Il a... Finalement, je ne sais pas s'il attend que je le fasse à sa place ou si je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. On veut acheter un vêtement, ben il faut, ça va beaucoup plus, ça demande plus de temps parce que c'est l'idée qui, c'est les dents qui choisit, qui cherche parce que l'idée ne sait pas trop. Donc les vendeurs, s'ils sont là, ils demandent pourquoi. Les dents, c'est un homme. Quand il va acheter des soutiens-gorge pour sa femme, c'est pas facile quand on arrive. Il faut prévenir. Moi, j'ai la solution. La dernière, j'envoie ma bru. Avec sa belle-mère. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, ça ne va pas de 8h à 20h. Donc, parfois, c'est sur 24h qu'on est pris dans le rythme avec son proche. Je suis toujours sur le qui-vive. C'est ça. Et l'agressivité qu'on peut avoir en tant qu'aidant, elle vient aussi de l'épuisement. Et des limites, c'est-à-dire quand... moi, je vous encourage souvent à vous dire, voilà, prenez conscience de votre limite aussi, parce que si vous la dépassez, il y aura de l'agressivité. Et forcément, ça ne se passera pas bien, comme disait Maud, évidemment, dans les gestes du quotidien, dans l'accompagnement de votre proche. Ouais. Alors, moi, je remplace par autre chose qui fonctionne bien, qui est une personne qui vient, une aide... Une auxiliaire de vie qui vient 3 heures par jour, l'après-midi, même les questions que ce soit 4 heures, etc. Donc, qui lui fait faire un certain nombre d'activités, se promener aussi, etc. Et ça se passe très bien, parce que l'habitude, quoi. Allô, bonjour Christine, c'est Timothée de l'AGVT. Bonjour Timothée. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais parce qu'on a une demande là, une personne qui voudrait qu'on intervienne chez lui. Je voudrais savoir si par hasard demain de 16h30 à 18h vous seriez disponible pour une prestation métro Danube. D'accord, c'est métro Danube, c'est ça ? Danube, oui. D'accord. D'accord, bah écoutez, je le mets sur votre emploi du temps, ça va apparaître sur votre téléphone Logivité. Ok, Timothée, ça marche. Super, bah, je vous remercie Christine. Au revoir. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit toujours la même aide à domicile qui se rende auprès de Madame Intel, parce qu'on se dit qu'elle va bien la connaître, qu'elle va savoir ce qu'il faut faire quand elle est triste, quand elle n'a pas d'appétit, que pour Madame Intel, ça va être plus facile d'ouvrir sa maison, que si elle a besoin d'une aide à la toilette, se dénuder devant quand même plein de gens différents, c'est pas facile. Le lien qui se fait entre l'aide à domicile et la personne aidée, il est très très fort, quoi. D'ailleurs, il faut voir, comme elles sont tristes, en fait, quand les gens décèdent. Voilà, c'est un deuil. C'est voilà, on n'est pas dans le même deuil que si on avait perdu nos grands-parents, mais on a perdu quelqu'un, quoi. Bonjour Adélaïde. Asseyez-vous. Merci. Oui, ça s'est très bien passé. C'est un travail où on ne va pas juste donner à manger, on ne va pas juste faire une toilette, on ne va pas juste passer un balai. C'est aussi de l'accompagnement. Il faut leur parler, il faut leur donner, parce qu'il y en a qui ne sortent plus. Donc c'est vous qui les apportez des informations. Par exemple, moi, je ne peux pas, je lis quotidiennement. Pourtant, je suis à domicile, mais quotidiennement, je dois suivre des informations, je dois savoir comment ça se passe. Et oui, ça apporte beaucoup, parce que vous savez qu'il y en a qui ont leur tête malgré qu'ils ne sortent plus. Pourtant, ce n'est pas parce qu'elles sont chez eux qu'elles doivent être coupées du monde. Alors que le fait qu'on soit là,
On doit faire un ensemble de tout. On doit aussi les apporter les informations. Parfois, ils ne savent même pas ce qui se passe. C'est vous qui leur dites, ah, écoutez. Et du coup, ça crée une bonne ambiance de fait que, voilà, par rapport à ça, ils s'attachent énormément. Nous, on intervient parfois seulement une heure dans une journée auprès de gens qui auraient besoin qu'on soit là 3, 4 heures, 5 heures, quoi. Donc, il faut redoubler d'astuces pour occuper toute une journée avec juste une heure, quoi. Donc, il va y avoir nous, puis après, il va y avoir l'infirmière, puis après, il va y avoir le kiné, puis après, il va y avoir peut-être un bénévole. Et puis, voilà, du coup, ça va baliser comme ça une journée où, en fait, on n'avait qu'une heure de passage, quoi. Allô ? Allô, monsieur Carré, c'est Maëlle. Allez-y. Ah, c'est madame qui faisait collection de ça. C'est vrai? Le buste? Ouais, le buste et puis les pipes aussi. Les cannes, c'est elle aussi. J'ai appelé le SAMU et hop, tout de suite, il est arrivé. Hein. Oui. Et j'étais tout seul, hein. Bah oui. J'étais en train de déjeuner, j'entends... Loup. Oula, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Je l'ai vu à moitié comme ça, là, les yeux fermés. Oh, j'ai dit, hop, SAMU. Et là, elle doit me faire un peu la tête parce que comme elle était hospitalisée... C'est ça. C'est que représailles. Et c'est représailles. C'est quand j'allais là-bas la voir, elle ne me parlait pas. Avant, quand elle buvait bien comme ça, mais maintenant que... Elle n'a rien à faire. Parce que tout ça, elle ne veut pas avec moi. Tout ça m'a travaillé, comme j'ai déjà fait une embolie, moi. Oui. Il faut que je me surveille un peu. Même beaucoup. Je regarde. Parce que je suis aide-soignant en plus, moi. J'ai travaillé 37 ans à l'hôpital Saint-Antoine. Je connais, mais bon, vous avez beau de leur dire une fois, vous mettez un coussin. Là, j'essaie de rattraper. Parce que beaucoup de personnes me disent oui, vous avez de la chance, Mme Boulot, et votre fils, voilà, votre mari, il peut s'occuper de vous. Et j'ai du mal à m'en occuper maintenant. Bah oui, puis avant, je m'en occupais mieux, mais maintenant, non. Et tout ça, je m'occupais de la tête aux pieds. Mmh. Et que maintenant, c'est fini ça. Non, mais c'est normal, vous avez besoin d'être soulagé ouais, aussi. Ouais, voilà, aussi, moi aussi, oui. Puis bon. Aussi de vous occuper de vous aussi. Oui, de moi aussi, oui. Vous pensez beaucoup aux ouais. autres, mais il faut aussi. Oui, je sais ça, je pense beaucoup aux autres, mais pas à moi. Oui, c'est plus difficile aussi. La grande difficulté de l'aidant, c'est que, me semble-t-il, dans un premier temps, on ne sait pas que l'on est aidant. Et quand on en prend conscience, c'est extrêmement compliqué de ne pas s'épuiser. Quelle est la bonne distance? Parce que je pense que l'aidant doit trouver la bonne distance pour se protéger, mais aussi pour pouvoir accompagner longtemps. Par rapport aux personnes en perte d'autonomie, il y a des cafés des aidants qui se sont mis en place sur tout le territoire pour justement pouvoir échanger. C'est un registre porte, c'est une mémoire. Ça imprime une porte. Et si on en parle, on le sait quand même. Si on vous le dit, c'est ah bah bien sûr. Et puis on sait que c'est une vérité, quoi. On vous raconte pas de bobards. Moi, c'est ma fille qui a voulu que je vienne parce qu'elle se rendait compte que bon, je faisais plus qui. Des oublis. J'avais beaucoup d'oublis, mais autrement, moi, je m'en rendais pas compte. Moi, sans mon mari, je suis perdue. J'ai besoin de lui. Est-ce que c'est réciproque? Ah, c'est à lui qu'il faut le demander. Ah oui, mais j'ai toujours besoin d'elle. Ah bah oui, toujours. C'est réciproque. Non, non, mais pour ça, on s'entend très bien. Vous complétez très bien. Ah oui. Ouais. Le fait de se retrouver, c'est ça qui est important, parce que, bon, on ne se connaît pas intimement, mais on arrive à bien se connaître quand même. Et ça fait plaisir de revoir, et, vous voyez, de voir tout le temps le... On aime bien venir le lundi après-midi. Hein. Aussi, oui. Au moins, on connaît du monde. On n'est pas. Que dans notre coin, là-bas où on est, on ne connaît personne. Puis je pense que c'est un espace où vous vous dévoilez aussi. On se dévoile les uns les autres. Oui, ici, oui. Bah, voilà, oui, on se parle, connaît, on partage. On parle de nous, on partage voilà. tout. On parle assez librement, quoi, parce que... Ah, ça ah, oui, on n'est pas taisez-vous, c'est pas vous, ça. Même si on dit des bêtises, vous les écoutez. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, puis ça permet, bon, on ne se connaît pas intimement, mais si on voit toujours les mêmes têtes, tout ça, on arrive à se connaître quand même un peu. Hein.
Oh, je ne sais pas, je suis sûre qu'on se croise dans la rue, on ne se reconnaît pas si ça se trouve. Bon, c'est bon à savoir, la prochaine fois que je vous croise, je vous dirai pas bonjour. On y retourne ? Ah, il faut bien, hein. Le temps que je passe ici, je le passe comme regarder un film. Ça fait une bonne distraction. C'est une distraction et je me plais. Et les dames, on se fait la bise, tout ça. Je me crois jeune. Il y a bien deux ans même. Deux ans que je comprends que je ne peux pas me lancer... Que tu ne peux plus rester seule, en fait. Et oui, et c'est pour ça que je suis venue habiter chez ma fille. Pour elle, ça a été très difficile, parce qu'elle est passée d'une autonomie totale, sans prendre conscience de problèmes, et d'un coup, je l'ai ramenée chez moi, et je lui ai volé, en fait, je l'ai dépouillée de son autonomie. Les parents se sacrifient pendant X années pour les enfants. Je trouve tellement normal que les enfants le rendent quand le moment est venu. Enfin, moi, je ne peux pas dire que j'y prends du plaisir, parce que j'aurais préféré qu'elle reste autonome jusqu'à 100 ans. Enfin, bon. Mais c'est la fin de la boucle. Au fil des années, je suis devenue aidante de ma famille. Et ça, c'est une nouveauté. Enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai découvert qu'avec des vieux parents, il y a un moment où on perd sa place d'enfant et que l'on devient aidante. La perte d'autonomie, en fait, conduit à cela. Et il me semble qu'effectivement, tout tourne autour de l'autonomie. C'est un moment, la bascule se fait, on devient aidant de sa personne, de son parent ou de son enfant en situation de handicap, lorsque l'autonomie qui devrait être chez un adulte n'existe plus, se perd ou ne s'acquiert pas. Je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec l'autonomie. C'est une évidence que vous ne pouvez pas tout gérer et tout porter tout seul. C'est une évidence. Mais la culpabilité, c'est un poids intense. Mmh. Intense qui rentre même dans les rêves. Mmh. Quand vous rêvez que vous vous sentez coupable. Oui, et puis revoir des scènes particulières où on aurait pu aider autrement et au réveil, elles sont là présentes. Et on dit, j'ai manqué à mon devoir ou à faire ce qu'il fallait. Oui. C'est atroce. Ce qui est parlant quand même, ce que vous montrez beaucoup, c'est que vous n'êtes jamais satisfait en plus de tout ce que vous faites pour l'autre. Mmh. Vous avez cette exigence vis-à-vis de vous-même parce que vous vous dites toujours « mais non, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire plus », et alors que vous êtes déjà souvent à un haut niveau de... Alors le reportage, le documentaire, c'est La beauté du lien, et j'espère que... Parce que moi, je le sens, je le vois bien qu'il y a une beauté du lien dans tout ce qu'ils peuvent dire. C'est-à-dire que ça repousse les limites. Ouais. Tout ce qu'ils font pour leurs proches, ils le font par amour, ils le font par devoir, ils le font pour plein de raisons. Mais c'est parce qu'il y a ce lien-là entre eux, entre vous et votre proche, que vous allez aussi loin aussi. Parfois trop loin. Les aidants, pour moi, ce sont des aimants. Les aimants qui s'épuisent d'amour, qui se brisent le cœur. Il fallait que je vous le dise parce que dans mon récit, je n'en parle pas assez. Mais ils sont là, dévoués, présents, attachés et attachants, attentifs, fidèles, fatigués, souvent épuisés, parfois impuissants.